Bienvenue à Grandir Ensemble. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de compréhension de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Amen. Amen. Allô, maman. Allô, chérie, t'en veux-tu plus? Amen. Ça va bien? Oui, je t'aime. Moi aussi. Bonsoir à vous tous et bienvenue à Grandir Ensemble. Et ce soir, j'ai lu un passage qu'une sœur avait écrit dans un groupe. Mm-hmm. Parce que c'est un passage qu'elle avait vu aussi sur Facebook. Sœur Sandra? Oui, sœur ouais. Sandra, exact. Puis ça m'a fait penser justement, puis ça m'a béni, fait que je pense que je voulais l'apporter ce soir. Mm-hmm. Mais Dieu m'a donné le verset aussi qui va avec ça. Donc je vais aller avec vous dans Jean 3, 16, qui est un des plus beaux versets. Mais oui. Je vais aller aussi à 17, oui. C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, elle ne périsse point, mais elle a la vie éternelle. Amen. Et vous savez, au verset 17, ça dit que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour le juger, mais pour sauver le monde. Wow! Et avec ça, ce verset-là, c'est l'histoire, c'était qu'il y a une femme qui était au Walmart, puis qu'à un moment donné, elle a entendu un gros bruit, comme un accident, quelque chose de tombé. Puis elle s'est approchée, puis elle voyait des gens qui regardaient en arrière d'eux, puis qui murmuraient. Puis elle a vu une femme âgée, environ de 75-80 ans, qu'elle est rentrée dans un étagère avec son panier, fait que tout avait tombé à terre. Fait qu'elle était là à terre, puis elle essayait de ramasser. Fait que tout le monde était là, puis qui regardait, puis qui disait rien, faisait juste murmurer. Puis la femme, elle s'est approchée, elle s'est penchée, puis elle a commencé à l'aider. Puis il est venu le directeur du magasin aussi, puis que lui aussi s'est penché. Puis il est venu l'aider, puis elle a dit, est-ce que je dois payer tout ça? Il dit, ben non, madame. Il a souri, puis il a dit, ben non, madame. On a des assurances pour ça. Puis, puis la personne continue à dire, c'est comme dans nos vies. Bien souvent, des fois, par nos erreurs, par nos manquements, on a des choses qui sont brisées. Puis on essaie par nous-mêmes de les ramasser, puis on n'y arrive pas. Puis Jésus, Dieu, lui, il se penche, il se met à genoux au-dessus de nous, puis il nous sourit, puis il dit, arrête de le faire par toi-même. Tu sais, il dit, moi, je peux le faire. Je peux le faire pour toi. J'ai une assurance qui est mon fils. Amen. Que lui, il est là pour justement payer pour toi. Amen. Fait que donc, ça va avec Jean 3, 16, que Dieu a envoyé son fils unique afin que quiconque croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Ouais. Et ça m'a fait penser à ce verset-là. Puis je trouvais ça bénissant. Fait que je voulais vous l'apporter ce soir. C'est très beau. Que Dieu vous bénisse. Moi, je voudrais rajouter que quand il est écrit, afin qu'il ne périsse pas, mais qu'il soit sauvé. Fait que... On n'est plus dans la peur parce qu'on périt pas, on périra pas, on est sauvé par lui. Fait que merci Seigneur pour ce merveilleux cadeau. Noël s'en vient, puis le monde, il donne un boom d'amour, puis pourtant ça serait supposé être à tous les jours. Fait que Seigneur, permet que ce boom d'amour, de cadeau-là de Jésus, on puisse l'offrir aux autres aussi, parce que tu nous l'as donné, on est racheté, puis on peut l'offrir aux autres. Donne-nous des circonstances afin qu'on puisse donner Jésus à des gens qui en ont besoin, puis qui veulent développer ce cadeau-là merveilleux.
Je te prie de que ton esprit puisse aller les attirer à toi. Toi, tu les attires, l'esprit les convainc, puis Jésus les sauve. Fait que Seigneur, fait qu'il y a une belle moisson là dans cette semaine. J'aimerais ça avoir des beaux témoignages qu'il y a des gens qui ont accepté Jésus comme son sauveur, puis qu'on se réjouisse tout ensemble, que la famille grandit. Mm-hmm. Puis merci de pardonner nos péchés. C'est au nom de Jésus que je veux te remercier, puis et je veux t'honorer au nom de Jésus. Amen. Amen. Et au nom du Seigneur Jésus, soyez pleinement bénis dans toutes les sphères de votre vie. Oui, puis soyez fortifiés, puis soyez agréablement victorieux, puis les gens vont voir vos victoires, puis vont avoir le goût d'avoir ce que vous avez. Amen. Bye tout le monde. Bye bye.